Bon, aujourd'hui, on parle de mon Jeep. C'est un Suzuki Samurai 83. Pas compliqué, il était scrap. Okay? Il n'y a plus grand-chose de bon là-dedans. Puis, je roulais avec, je l'aimais bien. Puis là, un moment donné, la cabine a essayé de me rentrer dans le frame. Puis là, on a essayé. C'est plus sécuritaire pendant tout. Fait que là, j'ai dit, je vais commencer à faire la tôle là-dessus. Mon but, c'était de devenir bon. C'est la tôlerie. Puis ça prend des modèles, ça prend des vrais exemples. Fait que j'ai décidé de starter sur mon vieux Suzuki au lieu de le jeter parce qu'il était plus utilisable. J'ai dit, je vais pratiquer. Là, il y a un méchant grand bout de fait après ça, ok? Ça fait 3 ans que j'ai starté ça environ. Puis, je suis rendu là. Le plancher est fait au complet. Tout est fait, là, regarde. Les ailes, à l'intérieur, j'ai acheté des ailes de trailer que j'ai fait fitter là, je les ai agrandis, je les ai tirés, je les ai fait fitter là. J'ai essayé de fabriquer les ailes pareilles comme d'origine, mais je n'étais pas capable de les faire tous les deux pareils. Puis quand venait le temps de les installer, ils faisaient pas tout à fait. Puis là, je trouvais ça trop compliqué. J'ai passé environ une douzaine d'heures par aile à essayer de les fabriquer. Je trouvais ça trop compliqué d'essayer de les faire fitter là. Donc j'ai tombé avec des ailes préfaites qu'on peut acheter déjà faites de trailer. Mais par contre, tout le plancher, tout a été fait au bead roller avec ma machine à emboutir. Le plancher était changé au complet là-dessus, à l'arrière. De toute façon, tout était fini. En avant, j'ai gardé quelques parties. Je sais pas si vous voyez bien, mais le seul morceau qui est d'origine, c'est le morceau ici, qui se trouve être la console. Que ça, il n'y avait rien, aucune rouille là-dessus. Puis un petit morceau ici où tenir le siège du côté passager qui était encore bon. Le reste, là, ça a tout été refait de A à Z, OK? Même la partie intérieure du bas de caisse, dans le fond, là. Tout ça, la partie intérieure, il a fallu que je sépare le Jeep. J'ai séparé le Jeep, j'ai démanché le morceau intérieur, là. Et ensuite de ça, je l'ai reposé. Ensuite, là, le morceau est en dedans, là. Vous voyez bien, là, ce morceau-là, là. Il est nœud, OK? Il était tellement pourri qu'il n'y avait rien à faire avec ça. J'ai séparé le jig comme ça, j'ai tout dessoudé, j'ai fait un morceau à la fouet. Ce morceau-là, il m'a pris environ 8 heures à fabriquer tout à la main. Ben 8 heures, mettons 6, plus le soudage, ça fait rond ça 8 heures. Puis c'est ça, chaque morceau, la panne, la première panne, j'ai trouvé ça dur, à l'avant. Il y a les drain plugs et tout. La première panne avait pris environ 12 heures à faire. Je m'attendais pas à ce que ça prenne autant de temps que ça. J'ai commencé par le bord du passager. OK, j'ai commencé par le bord du passager. Puis toutes les soudures ont été faites. Toutes les bosses d'origine. Le bouchon pour drainer l'eau, là, il était fait comme ça. J'ai tout fait ça à la main, tranquillement, pas vite, au marteau, plus avec ma machine bead roller. C'est pas comme d'origine, mais ça ressemble. OK, ici, il me manque un petit bout. Mais là, tant qu'à recommencer toute la panne, je préférais rajouter un petit bout là, tu sais. Après ça, ben ici, la console du centre, le handbrake, le break à bras, il va aller là. Les supports de cabine, tout le en dedans, ça a été renforcé, là, comme d'origine, là. Il y a des travers. C'est pour ça qu'il y a des soudures comme ça, là. Dans le fond, en dessous, il y a le support de cabine qui est soudé là. C'est pas fini. OK, j'ai un mèche... J'ai beaucoup de travail encore à faire avec ça. Je sais pas si vous voyez bien, mais le côté du chauffeur, il est fait. J'ai réussi à changer toute la roue ici. Il va me manquer les coins arrière à faire. Là, je me garde ça pour la fin. Mais le côté ici, est tout fait. Tout a été fait à la main, tranquillement, pas vite. Puis là, on est rendu de l'autre bord. Je vais essayer de vous montrer un peu comment que je fais. Ça peut donner des idées aux autres de faire ça chez eux, ben tant mieux. Je tiens à dire que je suis vraiment pas professionnel. Le but de tout ça, c'est pour apprendre. Je veux essayer d'avoir des feedbacks du monde. J'essaie de m'améliorer tout le temps. Puis je pense que c'est une bonne façon avec YouTube. Bien sûr, la manière que moi je vais faire, là, ici, la rouille, là, il y en avait trop. Okay? J'ai changé le morceau. Bon, vous voyez, là, il n'y a plus grand chose de bon avec ça. Là. La rouille était poignée dedans. J'ai démanché ça. J'ai coupé tout le joint ici dans l'entour. Puis là, ben, on va recommencer de là.
La façon que je fais, moi, c'est que je mets un tube. Pourquoi je mets un tube? À cause que c'est droit. C'est bien droit. Même si je chute là-dessus, ça crochira pas. Je n'aurai pas de misère à garder ça droit. Ça, c'est un tube 4x2. OK, puis il y a un corps d'épais. Il est assez épais. Je prends ce que j'ai, là. J'arrête pas de tout le temps des affaires pour juste pour le trip de l'acheter, là. J'avais ça, fait que ça va être ça. La manière que je vais faire, c'est que je vais installer ça même là-dessus. Okay? Ça a l'air un peu boboche comme ça, là. Mais vous allez voir, ça paraîtra même plus, puis le monde va avoir la mesure à faire la différence. Ça ressemble pas mal aux formes d'origine. C'est ça qui m'intéresse le plus. On va le sortir environ comme ça. Je vais te souder ça, là. Là, j'ai fait des trous ici. Parce qu'il faut que je rajoute une lip comme ça. À longueur. Pour que ça ait l'air le plus possible original. Là, j'ai pré-percé ici. Là, je me suis fait une tôle. J'ai plié sur mon bead roller. Ok. Je vais mettre ça ici comme ça. Je vais souder à l'entour à grandeur. Je vais tout souder ça. Ensuite de ça, on va installer le gros morceau de tube carré, 4x2. Il y a beaucoup de longueur, c'est là qu'il y a l'excédent. Je vais leur trimer. Je vais leur couper une fois tout soudé, là, c'est pas grave. Je vais m'arranger que ça ait l'air le plus l'air d'origine possible. Je shoot ça en bouchon. Ok, il y a des trous comme ça, là. Puis je shoot ça en bouchon. Comme un peu les spot welding. Quand ils serrent ça ensemble, les deux tôles, puis ils shoot ça ensemble d'origine. On appelle ça du spot welding. Mais c'est la même chose un peu, sauf que là c'était à la main. Fait que je fais des trous, je cote ma tôle, puis je shoot par en dessous des points de soudage. De cette façon-là, ben ça déchire pas. Puis la tôle n'a pas envie de casser tout le long de la soudure avec la vibration puis tout en roulant. C'est plus durable comme ça. Ça a l'air pas mal rabouté, ça... mais un coup fini, ça paraît trop. Il y a beaucoup de bouts, là. Le coin ici était tellement rouillé, là. J'ai toujours dû refaire le coin ici, au complet, à l'intérieur. De ce côté-là aussi, où il y avait une soudure en longueur avec le plancher, c'était plein de rouille, c'était plus utilisable. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais juste nettoyer. Il y a des bavures, OK, pour que ça puisse accoter comme il faut. Je vais nettoyer ma surface. Pour que quelqu'un que je vais souder, ça fasse pas de boîte puis de ballon puis tout ça. Poussière. J'ai placé la tôle de la façon qu'elle va. Ok, je l'ai carrément tapé au marteau. Ben simple. J'ai une comme une petite bouée ici. Fait qu'il fallait qu'elle suive la fonte. Là, on rentre ça dedans et on essaie d'attaquer ça aussi ça va. T'as soudé! Un peu ma chaleur, il m'en manque un peu. C'est pas assez chaud. Mais ça sent bien. Je clame ça avec les pinces puis je vais souder ça en l'air. Bon, avant de fermer ça, là ce que j'ai fait, c'est que j'ai ajusté mon morceau. Je vais le mettre là. Je l'ai ajusté le plus proche possible de tous mes côtés. Là. Ici, là,
Dans le fond, ce que je veux, c'est pas avoir de distance entre les deux pièces, ok? Parce que même que je soude, la petite tôle, elle va se sauver et ça va faire un trou. C'est important que je me mette le plus proche possible. Comme là, c'est pas pire. Il va falloir peut-être que je ressorbe un... que je rebaisse un petit peu le coin de là. Après ça, ce que je vais faire, c'est que je vais tout enlever l'excédent. Je vais trimer ça, je vais faire mes formes. Moi, j'aime mieux couper ça en place. Ça grouille pas, puis je suis capable de faire de la plus beau fini. Plus belle finition. On est prêt pour souder ça, mais là, avant de souder ça, il va falloir que je mette du... moi, ce que je mets à l'intérieur, c'est du zinc en canette, là. C'est galvanisé, c'est comme du galvanisé, en fait. Là, la canette, on la voit pas, mais quand même, je vais en servir pour peinturer. Là, ça se trouve être du galvanisé en canette. Là, c'est du zinc, carrément. Je vais en mettre le plus possible, je vais en mettre deux couches. Et un coup que ça va avoir séché, je vais mettre un petit joint de sealer à longueur pour être sûr que l'eau ne rentre pas entre les deux tôles pour que ça rouille rapidement. Et ça ressemble à ça. Il me reste une couple de petites soudures ici à faire pour les supports de cabine en dessous que j'avais oublié. J'ai vu ça. Je vais laver ça avec du diluant à peinture pour être sûr que la peinture colle comme il faut. Et un coup que c'est sèche, ben, j'embarque mon gros morceau là-dessus. On y va!